Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment afficher ces SMS sur un PC. C'est-à-dire comment afficher les SMS de son Android sur un PC tout simplement. Et là, l'astuce est très simple. C'est une astuce facile et applicable par tout le monde. Alors, ce que vous aurez à faire, ce sera de vous diriger vers Play Store. Vous dirigez vers Play Store. Vous allez télécharger l'application, tant pour moi, l'application Message par Google. C'est simplement écrit sur Play Store Message. Vous cliquez dessus, vous allez voir l'application Message par Google. Dans l'application Message par Google, vous allez l'installer sur votre Android. Généralement, l'application vient installée dans la plupart des Android. Si vous ne l'avez pas installée, vous pouvez l'installer de cette façon. Après l'avoir installé, vous allez l'ouvrir tout simplement. Après l'avoir ouvert, vous cliquez sur les trois boutons tout à côté là. Ensuite, vous allez cliquer sur Association de l'appareil. Après avoir cliqué sur Association de l'appareil, vous allez ensuite vous diriger sur votre PC. Vous allez ouvrir Google Chrome. Au niveau de Google Chrome, sur la barre d'URL, la barre de lien Google Chrome, vous allez simplement coller. Alors, en fait, vous allez écrire message.google.com. Moi, j'ai eu à copier l'adresse avant. Vous allez simplement écrire l'adresse message.google.com. On peut retrouver cette même adresse sur notre smartphone au niveau de l'association de l'appareil, au niveau de la description. En fait, on a là le lien, l'adresse de message.google.com slash web. Vous allez simplement réécrire sur votre navigateur Google Chrome. Après l'avoir fait, vous avez en bas mémorisé cet appareil. Si le PC est pour vous, si vous êtes le seul à utiliser le PC, en fait, vous pouvez mémoriser l'appareil afin de ne plus rescanner le QR code à nouveau. Sinon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors là, vous retournez sur votre téléphone. Vous allez cliquer sur lecteur de code QR. Lecteur de code QR, voilà un bouton bleu. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez scanner le QR code présenté par message.google.com au niveau de Google Chrome sur votre PC. Là, directement, vous avez accès à vos messages. Vous avez accès à la file de discussion de vos messages. Et vous pouvez directement continuer à discuter avec des gens sans toutefois, en fait, toucher à votre téléphone. Vous pouvez envoyer des messages ou recevoir des messages. Vous pouvez démarrer une nouvelle discussion en cliquant sur démarrer une discussion. Vous allez voir votre répertoire apparaître sur votre PC. Ça va vous permettre en fait de démarrer de nouvelles discussions. Donc c'est un peu l'astuce en fait pour utiliser si vous voulez afficher vos SMS sur votre PC. Là on a notre adresse de contact qui apparaît tout simplement. On a nos contacts qui apparaissent. On peut démarrer une nouvelle discussion ou alors à partir du fil de discussion déjà présent. On peut créer, en fait, on peut continuer à discuter avec les gens, envoyer des messages, recevoir des messages sans toutefois toucher à notre endroit. Donc, voilà en quelque sorte la procédure à appliquer si vous voulez afficher les SMS de votre Android sur un PC. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Avant de se séparer, je vous prie de vous abonner à la chaîne One Manga. Cliquez simplement sur le bouton rouge s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne sur notre chaîne YouTube. Nous disons à bientôt et rendez-vous sur la chaîne YouTube One Manga.